Coucou princesse, ça va bien? Aujourd'hui c'est matinée body, hein, les amis. Tranquillement, c'est le body de la nuit. On va aller après se changer. Qu'est-ce qu'on va mettre de beau aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on s'en fout maman, hein? Qu'est-ce qu'on s'en fout maman? Moi je suis bien au body. Je suis pas malheureuse comme ça, non? Bah non, t'es bien là. Ouais. Hop. Ce matin on a un petit peu de monde, on a la belle-sœur et le beau-frère qui sont venus. Donc il y a Eden qui a sa cousine avec qui ils jouent, ils sont en train de jouer dans la petite piscine. Et un autre ami, le chéri de Audrey, Yann qui est là. T'es en vacances Yann en fait? Oui. J'ai une semaine, moi, tout seul. Ah, t'as une semaine? Une semaine tout seul! Ben, du coup, Anthony attendait d'avoir une nouvelle voiture pour faire ça, c'est-à-dire vider le garage et remplir pour aller à la déchetterie. Et je peux vous dire que ça faisait un moment qu'il n'y était pas allé. Alors, on a du carton ici, on en a là, en veux-tu, en voilà. Attendez, je sais pas ce que je cadre, je regarde pas. Là, c'est tous les plastiques que j'avais triés, un carton de verre, parce que moi je trie, je suis madame tri, je n'aime pas qu'on mélange les trucs. Du coup, même là, vous voyez, on a trié tout ce qui était. Ça s'appelle ça la moumousse là. D'ailleurs ça c'est pollution max, mais bon pour protéger on n'a pas trop le choix. Voilà 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 voilà. Mais ça va faire du bien, ça va vider le garage. Parce qu'il est blindé. Et j'ai tiré au sort la gagnante pour la fameuse poussette qui est ici. Je vais la contacter. Donc la gagnante, tu vas avoir des nouvelles sous aujourd'hui. Je pense que je vais essayer de prendre le temps de te contacter aujourd'hui. Pour qu'on voit ensemble, bah déjà où tu es. Pour que je te livre, parce que c'est moi qui l'envoie. Donc voilà. Donc la gagnante, voilà, je vous ai pas oublié. Et n'oubliez pas encore, j'ai toujours le concours qui est ouvert pour Muchesol pour 150€ pour partir en vacances. C'est quand même toujours ça de cool. Et donc ça se passe sur Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre si on passe sur Facebook, c'est pas encore fait. C'est Allo Maman YT. Tous mes concours, de toute façon, je les place quasiment que sur Facebook. Parce que je trouve que c'est la plateforme la plus simple pour faire des concours. Voilà, voilà. Regardez qui fait dodo. Oh, ma princesse. Fait dodo dehors. Elle prend l'air, ça lui fait du bien. Alors, il y a le linge, mais elle est attachée à la mémère. Ne vous inquiétez pas. Et là, eh bien, nous avons le raté d'Eden. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça arrive, il y a des ratés encore, hein, mais on est sur la bonne voie. En fait, il a appelé papa pour aller faire pipi. Et le moment où il a appelé papa, en fait, c'était, il fallait que ce soit tout de suite, en fait. Donc, c'était pas assez rapide, en fait. Encore, il n'arrive pas à avoir le se rendre compte qu'il va faire pipi, c'est quand il sent que ça y est, ça va sortir, qu'il dit papa, maman, et du coup c'est un poil trop tard. Mais c'est, ça va le faire, ça va le faire. On y croit, on est sur la bonne voie. Ah mon amour, on va être propre. T'as bien mangé? Tati va te donner ton dessert? Elle est gentille, Tati. Qu'est-ce que je lui donne? Un fromage et un yaourt, comme toujours. Je vais lui donner des fruits en dessert, Tati. Juste un fromage, je vais lui donner de la pastèque. Eden? Ah ben, juste un fromage. Ouais, je vais sortir de la pastèque. Tu vas manger de la pastèque, Eden? Donc voici la fameuse pastèque. En fait, pour Eden, je trouve que c'est super pratique. Ils font ça en surface. Alors, c'est plus cher que d'acheter le fruit. Mais je trouve que pour les enfants, c'est quand même vraiment pratique. En fait, je vais lui ouvrir là. Du coup, par contre, il faut consommer rapidement. Après, je remettrai un papier pour protéger. Et du coup, voilà. C'est trop bon. Il faut juste que ce soit pas moi qui lui finisse son pot. Parce que moi, j'ai un amour de pastèque pas possible. J'adore les fruits autant que mon fils. On sait pourquoi. Je te mets des petits bouts, mon cas. On va faire comme ça, ça va être plus vite. Voilà. Ça te fera ton petit dessert. C'est bon, la pastèque. Comment ça, t'as de la tomate, là. Et où ton bavoir? Ça s'est testé. Vous savez qu'Eden, il a un art pour tester. Il lèche d'abord. Pour voir si c'est bon. Non, parce que depuis la semaine dernière, c'est vrai que t'as oublié. C'est de la pastèque, Eden. C'est bon, hein? Non, tu la lèches dans tous les sens. C'est une façon de faire. Non, c'est pas Berk. C'est c'est bon, mon cœur. Berk, c'est quand c'est pas bon. Ah, un micro-bout, vous avez vu? C'est un bout du... Tu sais, t'as vu? C'est vraiment le bout des dents, quoi. Il teste par plusieurs bouts. Non, mais alors toi, tu feras dégustateur plus tard. Yeah, Lily Rose tient son biberon toute seule. Mais c'est une grande fille, dis donc. Bon, c'est un biberon avec un petit peu d'eau, donc c'est pas très lourd et c'est un peu calé. Touche un peu, mais elle est contente, hein? Il est fier de tenir ce biberon, parce que tu veux toujours le tenir, ton biberon. Mais là, tu t'es tout, ouais. Ignorance totale. Lily Rose. Je suis calée, papa. Lily Rose. Ah. Ma Lily, coucou. Merci le chat. Lily Rose. Lily Rose. Mais Lily Rose.
T'es un peu trop sur le côté peut-être. Ma Lily Rose, ça va ma puce. Trop lourd de la tête. Okay. C'est gentil. Ma Lily Rose. Ma Lily. Te regarde, je papa. Regarde, là. Regarde ma puce, ça va. Ça va ma puce. Ça va. Ça va. Ça va mon bébé. Oh, t'es trop belle. Tu fais des smiles. Ouais. Ça va ma Lily. Ça va ma Lily quoi, ça va. Ça va. Regarde. Ça va ma puce. Ça va. Ouais, je voyais des smiles qui se dessinent. Re-coucou les amis, on se retrouve un petit peu plus tard. Je sais même pas quelle heure il est. Parce que tout le monde est parti à la maison, ma maman garde Lily Rose et Anthony et Eden sont allés voir leur papy, enfin un membre de la famille du côté d'Anthony. Et ça m'a laissé du temps moi pour tourner parce que j'avais besoin de tourner un gros bout de vidéo. J'en ai fait un bout, je pense qu'on fera l'autre bout ce soir. Et on a réussi à bien avancer le vidage du garage. Je sais pas si on peut utiliser, employer ce terme là. C'est pas encore complètement fini, hein. Il y a encore pas mal de choses. Ça c'était des planches, ça c'est un bout du Eden, là-bas il y a la poussette à faire gagner. Là il y a la voiture d'Eden, la moto d'Eden, la tondeuse, les sacs de tri quand on n'y a pas eu le temps, il y avait encore des cartons à jeter. Et puis nos seaux, ouais voilà, magnifique n'est-ce pas? Et mon étendage, mais ce n'est pas magnifique ce garage, hein? Non, il ne sert pas à rentrer une voiture. Il sert de zone de stock. En fait, il manquerait une buanderie. Je pense que si là, il aurait pu être coupé sur la longueur, ça aurait fait une belle buanderie. Ça aurait été plutôt pas mal. Mais bon. Du coup, j'ai un temps calme. Là, j'ai bien avancé sur mon tournage. J'ai une vidéo qui charge. Que j'ai fait une jolie petite vidéo que vous verrez très bientôt sur ma chaîne. Qui m'a pris pas mal d'heures de montage. Qui est très courte, mais qui m'a pris beaucoup de temps. Plus une grosse vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à tourner et à préparer. Donc, ça m'a bien occupé la journée. Bon, je vous avais prévenu aujourd'hui que le vlog sera sans doute plus court puisque j'avais un gros tournage à faire. Enfin voilà. Et voilà. Il est caché, j'ai retrouvé ma princesse. Oui. Donc pour le moment, je la laisse encore là 2 minutes. Après, on va l'enlever parce qu'il fait chaud. Elle est fatiguée, alors je voulais qu'elle se repose un petit peu. Je viens de la récupérer chez mamie, mais c'est 19h30, il va falloir que je fasse à manger. Parce que papa et Eden, ils vont rentrer. Ils vont rentrer, papa et Eden. Oui, oh le petit œil. C'est bien chez mamie. Mamie, elle lui a fait prendre un petit bain. Elle m'a dit, du coup, elle est toute propre. Ça rafraîchit à voir cette chaleur. Hein. C'est du bien de tremper dans le bain. Bon, comme Anthony n'est pas encore rentré, pas que là, j'entends la voiture. Je vais faire à manger. Donc, je vais faire les gnocchis à poêler. On a encore des restes des barbecues. On a encore la grosse salade qui reste à finir avec moi et Anto parce que c'est surtout de la salade verte. Donc, Eden, il ne la mange pas. N'est pas ça. Il reste un petit peu de viande, mais pas beaucoup, mais ça on peut s'en passer. Je vais faire des gnocchis et nous on verra avec quoi on accompagne un peu plus notre pas. Il y en aura un petit peu pour Eden, plus je vais lui mettre, je pense. Qu'est-ce que je vais lui mettre avec? Une tomate, je pense, ou un petit peu de concombre. Ce midi, il a déjà eu de la viande, donc je ne fais pas à chaque repas. Et du coup, c'est vrai qu'Eden n'aime pas les gnocchis classiques, mais pendant qu'on était encore, Rebecca fait des gnocchis à poêler. Et Eden a bien aimé les gnocchis à poêler, du coup, bah, j'en veux dire goûte parce que moi j'adore les gnocchis et ceux à poêler je les aime bien aussi. Alors, pas se tromper d'huile, si je mets de l'huile, c'est quoi, de l'huile d'olive à cuire, c'est pas bon du tout. On va essayer de se mettre un petit plat parce que celle-ci a toujours galéré depuis qu'on l'a acheté. Bientôt, j'arrive pas à lui. Ah bah, vous l'avez réveillé. Qu'est-ce que c'est mon amour? Merci. Tu fais un bisou, non? Tu viens faire un bisou, non? C'est gentil, mon cœur. Merci pour le sac. Je vais vous chercher parce qu'il faut que je vous le montre quand même ça. J'ai enfin réussi à endormir Lily qui avait un petit peu de mal à s'endormir. Et regardez ce que je retrouve. Ce que je retrouve dans ma chambre. Alors Anthony nous a rejoint entre temps. Mais regardez-moi ça. Il y en a un qui est sorti de son lit et qui est venu se piquer le nôtre. Mais c'était pas allumé cette chambre, c'était dans le noir. En mode, bah non, en fait, je vais dormir dans le lit de papa et maman, quoi. Hein? Squatter? Ça, le truc, c'est qu'il était vraiment sous la couette, posé style, il y a personne. Je vais dormir ici. J'ai trouvé un grand lit. Tu veux, en fait, tu veux plus ton lit simple, tu veux un lit double, c'est ça? On va peut-être retourner dans ton dodo, non? Qui est là? T'es tout excité, t'es content? Oui, c'est... Oui, bah oui, ça se voit que t'es content. Crapule. Tu t'es mis avec ta langue, quoi. Regardez-les, regardez-les.
Ça fait le bruit de l'eau dans son ventre parce qu'il a bu son biberon. I've kept my heart inside.